Bonjour les tricopines, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tricoter une brassière au rang raccourci. Donc, la brassière au rang raccourci, vous savez, se tricote comme ceci. Vous voyez, nous tricotons comme ceci et elle se tricote en un seul morceau, c'est-à-dire on commence par le demi-dos. On tricote les manches, donc tout sera expliqué. On va tricoter le devant, l'autre demi-dos et donc on va la tricoter en une fois. Je vais vous expliquer tout ça. Vous aurez juste à faire des coutures au niveau du ici sous les bras. Donc on aura des coutures juste sous les bras. Donc les tricopines, pour cela, il vous faut de la laine layette. Choisissez la couleur de votre choix. Donc là, j'ai fait pour un petit garçon. Donc l'avantage de ces brassières au rang raccourci, c'est que ça va aussi bien aux petites filles qu'aux petits garçons. Vous avez juste à changer la couleur et faire utiliser la couleur de votre choix. Donc, vous allez voir. Des fois, c'est assez surprenant, ça fait peur, le rang raccourci, mais vous allez voir comme c'est simple et facile. Vous allez pouvoir le réaliser sans problème. Alors, pour cela, moi, j'ai utilisé des aiguilles numéro 3,5. Vous allez avoir besoin d'un arrête-maille, mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez très bien prendre un morceau de laine. Ou alors, si vous avez une aiguille numéro 3 en plus, vous pourrez vous en servir aussi, je vais vous expliquer dans la vidéo. Alors, il vous faut une aiguille à laine, donc pour faire nos coutures juste sous nos bras. Et nous allons, je pense que je n'ai rien oublié, nous allons passer à la réalisation. Donc, dans la vidéo, la brassière que je vais vous expliquer, c'est vraiment pour une taille naissance. Donc, je vous donne la taille naissance. Si vous voulez la tricoter pour un bébé de 1 mois, alors vous avez juste à monter 58 mailles. Donc si vous voulez faire une brassière naissance, vous suivez les indications de la vidéo, c'est-à-dire 49 mailles, c'est pour la taille naissance. Si vous, vous désirez le faire pour un bébé de 1 mois, vous allez monter 58 mailles et rajouter 1 cm supplémentaire à chaque fois. Donc vous verrez, si je vous dis de tricoter 11 cm, vous allez tricoter 12 cm. Si je vous dis tricoter 20 cm pour le devant, vous allez tricoter 21 cm. Si je vous dis de tricoter 16 cm pour les bras, vous allez tricoter 17 cm. Voilà. Donc, si vous suivez les indications, le nombre de mailles et les centimètres de la vidéo, c'est pour la taille naissance. Si vous voulez le faire en un mois, vous allez commencer par 58 mailles et rajouter 1 cm supplémentaire à chaque fois. Donc, nous allons passer à la réalisation, les tricopines. Donc, les tricopines, j'ai oublié de vous dire qu'il nous fallait des boutons, parce que là, je regardais, je n'ai pas fait les boutons. Donc, il va nous falloir des boutons, je pense mettre 1, 2, 3, 4 boutonnières. Donc, prévoyez 4 petits boutons. Voilà. Pour la réalisation de notre brassière à rang raccourci, alors, vous allez monter 49 mailles, donc ces 49 mailles, c'est pour une taille naissance. Vous allez monter 49 mailles que vous allez tricoter pendant 2 cm. Donc vous mesurez 2 cm, ce qui nous fait à peu près 1, 2, 3, à peu près 10 rangs, je crois. Donc moi j'ai mesuré 2 cm. Alors nous sommes sur l'endroit, nous avons tricoté nos 49 mailles pendant 2 cm au point mousse. Et maintenant, je vais tricoter 26 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Regardez, je vais compter avec vous.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je les ai comptés 2 par 2, 26 mailles. Je tourne, je suis sur l'envers et je vais tricoter mes 26 mailles. Donc la première maille, je ne la tricote pas et je tricote les 25 suivantes. Et je vais jusqu'à la fin de mon rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang, je tourne, je suis de nouveau sur l'endroit et je vais tricoter donc mes 26 mailles. Donc là je compte pas, je vais tricoter, regardez, nous avons un écart ici, donc jusqu'ici, je tricote 26 mailles. Voilà, regardez, je tricote, j'ai fait 26 mailles. Je vais tricoter 19 mailles supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. Regardez. J'ai tricoté. Il me reste 4 mailles sur mon aiguille. Et j'ai tricoté 19 mailles supplémentaires. C'est-à-dire, j'ai fait 26 plus 19. Ce qui me fait 45 mailles. En tout, j'ai tricoté 45 mailles. Je tourne. Voilà pourquoi nous appelons ça le rang raccourci, parce que nous tricotons un certain nombre de mailles, nous tournons, nous tricotons et on tourne et ainsi de suite. Donc la première maille, je ne la tricote pas et je vais tricoter mes 44 mailles. Donc je vais tricoter toujours au point mousse. Ma brassière, je vais la faire au point mousse. Donc je vais jusqu'à la fin. J'ai terminé mon rang. Je tourne, je suis de nouveau sur l'endroit. Et maintenant, je vais tricoter mes 49 mailles, c'est-à-dire je vais tricoter toutes mes mailles. Vous voyez, le bas de notre brassière s'élargit et le haut moins. Vous voyez, s'élargit beaucoup moins. Donc là, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'au bout. Alors, j'ai perdu ma maille, je vais la récupérer. Donc, je vais tricoter cette fois-ci mes 49 mailles.
toujours à l'endroit, donc au point mousse, je tricote mes 49 mailles. Regardez, je tricote donc ici ma 45e maille et les 4 mailles restantes. Donc j'ai tricoté 49 mailles au total. Voilà, ce rang, j'ai tricoté toute ma ligne. Je tourne, je suis sur l'envers et vous allez tricoter vos 49 mailles à l'endroit jusqu'au bout. Donc vous allez jusqu'à la fin de votre rang en tricotant vos 49 mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'envers. J'ai terminé de tricoter les 49 mailles de mon rang envers. Je suis de nouveau sur l'endroit et nous allons répéter ce que nous venons de faire, c'est-à-dire, regardez, je vais le refaire avec vous. Je vais tricoter 26 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Si vous le désirez, vous pouvez mettre des anneaux marqueurs. Donc moi j'en ai pas mis, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'ai tricoté 26 mailles, je tourne, je suis sur l'envers et je vais tricoter ces 26 mailles jusqu'à la fin du rang. Donc la première je ne la tricote pas, je tricote les 25 suivantes. Donc nous sommes sur l'envers. Et nous allons aller jusqu'au bout du rang. Je suis de nouveau sur l'endroit et maintenant je vais tricoter 45 mailles. Donc, regardez, je suis arrivée ici, donc à mes 26 mailles, je tricote 19 mailles supplémentaires, donc ça me fait 45 en tout. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles sur mon aiguille de gauche, si vous préférez, ou alors vous tricotez 45 mailles. Il me reste 4 mailles, regardez, et je tourne et je vais tricoter jusqu'au bout. Donc la première, je ne la tricote pas, je tricote les 44 mailles suivantes, comme ceci, à l'endroit. J'ai tricoté mes 44 mailles, je tourne, je suis sur l'endroit et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'au bout.
Donc je tricote toutes mes mailles, regardez, à l'endroit. Et regardez, je vais tricoter toutes mes mailles comme ceci à l'endroit. Donc ici c'est la partie de notre col, ici ça va être la partie corps. Regardez le petit col, la partie corps. Et là, ça va être la partie, enfin, la partie poitrine, pardon, là, et la partie sous les bras, donc le corps. Nous allons tourner et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc, je vais tricoter jusqu'au bout à l'endroit. J'ai tricoté mes 49 mailles, regardez, et je suis de nouveau sur l'endroit. Donc, les tricopines, vous allez répéter ces 6 rangs, c'est-à-dire, vous allez tricoter 26 mailles, vous allez tourner, vous allez retricoter ces 26 mailles, vous allez tourner, vous allez tricoter 45 mailles, vous allez tourner, vous allez retricoter vos 45 mailles sur l'endroit, toujours à l'endroit. Vous allez tourner et cette fois-ci, vous allez tricoter toutes vos mailles, vos 49 mailles jusqu'au bout. Vous allez tourner, vous allez tricoter vos 49 mailles à l'endroit. Vous allez, donc une fois que vous avez terminé, vous êtes sur l'endroit et vous recommencez 26 mailles. 45 mailles, 49 mailles, ainsi de suite, jusqu'à ce que ici, quand vous allez mesurer, regardez, à partir de là, il faut que vous ayez 11 cm. Une fois que vous avez obtenu vos 11 cm, nous allons commencer à former la manche de notre brassière. Après avoir tricoté 11 cm, regardez, nous avons en centimètres, donc nous mesurons dans la partie la plus large. Donc une fois que nous avons nos 11 cm, regardez, je suis sur le devant et il me reste, regardez, je suis à ce niveau-là, il me reste mes 4 dernières mailles à tricoter. Je vais tricoter jusqu'au bout maintenant. Je vais tricoter jusqu'au bout, jusqu'à mes 4 dernières mailles, donc mes 49 mailles. Donc vous tricotez vos 49 mailles et nous allons sur l'envers, vous allez voir, laisser en attente des mailles. Regardez, je suis arrivée ici, donc je tricote mes
4 dernières mailles aussi. Alors maintenant les tricopines, nous sommes sur l'envers et nous allons laisser en attente des mailles. Donc nous allons tricoter nos 4 mailles. Nous allons tricoter 19 mailles supplémentaires, ce qui nous fait 19, 20, 21, 22, 23. Donc nous allons tricoter 23 mailles. Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'en ai tricoté 20, 21 et 22, 23 mailles. Donc j'ai tricoté 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 23 mailles. Et maintenant, avec l'aide un arrêt maille, si vous en avez, si vous en avez pas, c'est vraiment pas grave, vous pouvez très bien, je vais vous montrer une astuce. Donc si vous n'avez pas, vous prenez une aiguille à laine et vous pouvez passer toutes vos mailles sur une aiguille à laine avec du fil autour et après attacher votre laine comme ceci pour ne pas que vos mailles se défassent. Donc vous pouvez très bien faire passer comme ceci, regardez, toutes vos mailles avec une aiguille à laine, avec du fil bien sûr au bout. Et une fois que vous avez fait passer toutes vos mailles, vos 26 mailles, regardez, vous pouvez juste bien attacher comme ceci, emprisonner vos mailles de façon à ce qu'elles ne sortent pas du fil et ça ne se découpe pas. Donc voilà, moi je vais utiliser un arrête-maille. Mais je ne vous cache pas que vous pouvez faire passer du fil et c'est aussi bien. Ou alors, vous pouvez très bien laisser en attente sur votre aiguille et tricoter avec l'aide d'une autre aiguille. Vous pouvez très bien laisser donc vos mailles sur votre aiguille et prendre une autre aiguille si vous avez du même numéro, donc du 3,5. Et tricoter avec. Voilà. Donc, j'ai laissé en attente mes 26 mailles. Maintenant, les tricopines, nous allons monter 33 mailles. Ces 33 mailles vont former notre manche. Regardez. J'entoure une. J'entoure deux. Regardez, je prends, j'entoure. 3. Regardez. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33, il me semble. Alors, je vais recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Alors logiquement, j'en ai 33. Et maintenant, regardez, je tourne, je suis sur l'envers et je vais tricoter ces mailles. Donc ne les prenez pas comme ceci, mais prenez-les plutôt comme ceci parce que ça va, c'est un petit peu plus dur, mais voilà. Et vous allez tricoter. C'est 33 mailles ainsi. Donc c'est un petit peu, voilà, comme c'est serré, nous avons monté des mailles, mais voilà, c'est un petit peu long à tricoter, mais c'est pas grave, le résultat, vous allez voir, est plus joli. Donc tricoter ces 33 mailles. Une fois que nous avons tricoté nos 33 mailles, donc vous vous souvenez, là j'avais tricoté jusqu'au bout mes mailles, donc sur l'envers on avait tricoté jusqu'à là nos 23 mailles et nous avions monté 33 mailles. Maintenant je tricote mes 33 mailles et je tourne. Donc nous allons continuer à faire notre rang raccourci. Donc on va tricoter. Donc je retricote mes 33 mailles, je suis sur l'envers. Voilà, je suis arrivée au bout, je tourne et maintenant je vais tricoter mes 33 mailles plus 19. Donc ça, on va tricoter 52 mailles, il me semble. Ou alors je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles sur mon aiguille de gauche. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles, soit 53 mailles, alors que je ne dise pas de bêtises, 33 plus 19, ça fait 52, et regardez, il me reste 4 mailles, donc si vous préférez, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. On tourne et on va tricoter toutes nos mailles jusqu'au bout à l'endroit. J'ai terminé mon rang, je suis de nouveau sur l'endroit et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout.
Donc, vous allez tricoter jusqu'au bout toutes vos mailles. J'arrive, regardez, presque au bout de mon rang. Là, regardez, je vais tricoter mes 4 dernières mailles. Je tourne et je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'au bout, ici, jusqu'au bout. Alors les tricopines, je vais vous montrer quelque chose. Donc avant d'arriver au bout, nous allons... Alors, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Et là, je vais vous montrer quelque chose. J'arrive presque au bout de ma manche. Je vous ai dit de laisser 4 mailles en attente. Donc, de ne pas tricoter les 4 dernières mailles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les tricopines. Si vous souhaitez, normalement, notre manche va faire à peu près 15 à 16 cm. Donc, nous allons avoir notre, vous voyez, notre manche ici qui va être assez large. Donc, si vous voulez avoir des manches assez larges, de 8 cm à peu près, donc ça va être plus large que ceci. Donc, ça, c'est le demi-devant. C'est juste pour vous montrer. Donc, si vous voulez faire tout à l'endroit et que votre manche soit large, donc ça va nous faire à peu près 8 cm de largeur. Donc, ça va être assez, le bord de notre manche va faire à peu près 8 cm. Si vous voulez que ça soit légèrement serré au niveau de notre poignet, légèrement serré, vous allez faire... Regardez, si vous le désirez, si vous ne désirez pas, si vous préférez avoir des manches larges, vous continuez jusqu'au bout à tous les rangs. Si vous désirez faire légèrement plus serré au niveau de notre poignet, vous allez laisser ces 4 mailles en attente. Alors, si vous voulez, pour ne pas avoir à compter tout le temps, si vous avez peur de ne pas vous souvenir, parce que nous allons faire ceci à peu près tous les 6 rangs, regardez. Vous pouvez mettre un petit fil comme ceci. Vous tournez. Donc, je laisse ces 4 mailles en attente. Et je veux que mes poignets soient légèrement plus serrés. Regardez. Je mets un petit bout de laine au milieu. Et ce bout de laine, et à chaque fois que je vais faire 6 rangs, ou alors, quand j'aurai 3 barres de points mousse, il faudra que je laisse en attente ces 4 mailles. Je vais faire ceci tous les 6 rangs. Mais si vous ne désirez pas, ne le faites surtout pas. Vous laissez. Alors, les tricopines, je vais tricoter mes 33 mailles de la manche. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai tricoté une en trop. Donc, quand je vous dis, vous laissez en attente 4 mailles et vous tricotez 33 mailles, vous tenez en compte ces 4 mailles que nous avons laissées en attente. Je tourne. Je tourne et je vais tricoter cette fois-ci mes mailles jusqu'au bout, mes 33 mailles jusqu'au bout.
vous voyez, et je tricote les 4 mailles laissées en attente aussi. Voilà, donc les tricopines, maintenant nous allons faire exactement comme nous avions fait pour le corps. Donc vous allez continuer à tricoter, regardez, nous avions tricoté. Donc regardez, ça c'est notre base, c'est notre repère, et à partir de là, regardez, vous allez compter. Quand vous aurez 3 barres de points mousse, ce qui est égal à 6 rangs, vous allez tricoter 29 mailles. Enfin, vous allez, ouais, 29 mailles pour la manche, vous allez laisser 4 mailles en attente. Donc tous les 6 rangs, vous laissez vos 4 mailles en attente et vous tricotez. Vous tournez et vous continuez à tricoter. Donc, les tricopines, je vous explique. Nous avons laissé, je suis sur l'endroit, nous avions laissé 33 mailles en attente. J'ai tourné, j'ai tricoté toutes mes mailles. Maintenant, je vais aller tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Je tourne, je tricote toutes mes mailles. Je tourne, je vais tricoter jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je tourne et je tricote toutes mes mailles. Je tourne, je vais tricoter 33 mailles. Et quand vous avez tricoté ces 33 mailles pour la manche, c'est là qu'il faudra laisser en attente vos 4 mailles, tourner et continuer à tricoter. J'espère que c'est assez clair, les tricopines. Donc vous allez faire exactement comme nous avions fait pour le devant. Et vous allez faire ceci pendant à peu près 16 cm. Donc, vous continuez à tricoter votre manche pendant 16 cm. Une fois que vous avez vos 16 cm et que moi aussi, vous voyez, ça fait assez grand. Et quand nous plions, ça nous fait un petit bras, une petite, regardez, comme ceci. Donc, continuez à tricoter vos 16 rangs, exactement comme nous avions fait pour le devant. Alors, je recommence. 33 mailles, vous tournez, vous tricotez vos 33 mailles, vous tournez, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. Sur l'envers, vous allez tricoter jusqu'au bout, vous tournez, vous allez tricoter cette fois-ci toutes vos mailles, vous allez tourner, tricoter toutes vos mailles, et on va recommencer. Vous allez tricoter 33 mailles, vous allez tourner. Si vous désirez faire votre manche un peu plus serrée, à ce moment-là, quand vous avez tricoté 33 mailles et que vous retournez, vous laissez 4 mailles en attente, vous retournez, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles, vous tournez, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit toujours, vous tournez, cette fois-ci vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'au bout, vous allez tourner, vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'au bout, sur l'envers, toujours à l'endroit, et vous recommencez, 33 mailles, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez 16 cm pour le bras. J'ai tricoté mes 16 cm pour la manche, donc moi je mesure vraiment ici, à partir de l'aiguille, regardez, donc nous avons 16 cm dans la partie la plus large. Donc, et je me suis, alors, j'ai mon aiguille qui s'est tordue, et regardez, j'ai fait une ligne complète, donc j'ai fait un rang complet, et maintenant, nous sommes, regardez, sur l'endroit, nous sommes sur le bord de notre manche, et je vais venir rabattre 33 mailles. Vous vous souvenez, les 33 mailles que nous avions montées, nous allons venir les rabattre. Donc vous allez rabattre de façon à ce qu'il vous reste 23 mailles sur vos aiguilles. Donc je rabats 33 mailles. Après avoir abattu mes mailles, mes 33 mailles, il me reste 23 mailles sur mon aiguille. Et nous avons terminé pour notre manche, regardez.
Donc, vous voyez, le fait d'avoir tricoté au rang raccourci sur le bord de notre manche, sur la bordure ici, regardez, ça nous a fait, ça a légèrement serré, regardez, le bras. Donc, comme je vous avais expliqué, si vous voulez, vous pouvez tricoter sans faire le rang raccourci. Donc, nous obtenons quelque chose comme ceci pour l'instant. Bien sûr, nous n'avons pas terminé. Donc, la manche, le demi dos, le demi dos. Et maintenant, nous allons attaquer notre devant. Donc, nous allons attaquer le devant de notre brassière. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, donc, nous ferons le devant, l'autre manche et notre demi-dos. Et nous aurons terminé notre brassière. Donc, je vous dis à très vite dans la deuxième partie.